Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à cette session hebdomadaire. Goedenavond allemaal en hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn op deze korte infosessie. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronasituatie en de evolutie. Ik ga even mijn scherm delen. Voilà. Vous voyez qu'il y a la liste, on a fait une liste de communes qui sont les communes à faciliter, mais on a aussi plusieurs communes autour de Bruxelles. Et vous voyez que la situation à Crenem se maintient bien. On est, on va dire, dans la bonne moyenne, même si évidemment on peut faire encore mieux. Alors, ce qui est important, c'est quand même une tendance générale à la baisse dans tout le Brabant flamand. Et il faut savoir que le Brabant flamand est pour l'instant la meilleure province en Belgique. Donc, c'est encourageant, mais il faut quand même qu'on continue à faire très, très attention, comme d'habitude. Intéressante situation, misschien ook iets dat. Niet zoveel gepubliceerd is geweest, maar in Vlaams-Brabant verloopt de vaccinatie eigenlijk vrij goed. Natuurlijk niet optimaal, maar ik wil even refereren naar de situatie in Sint-Truiden van een paar weken geleden, waarbij een aantal mensen toch een vaccin gekregen hebben zonder dat ze eigenlijk op hun beurt hebben gewacht. Dergelijke situaties zijn eigenlijk bijna nooit gesignaleerd in Vlaams-Brabant. We hebben deze vrijdagnamiddag nog een conferentie gehad, een teleconferentie met de gouverneur en de burgemeesters van Vlaams-Brabant. En de gouverneur heeft dit nog bevestigd. Er zijn tot hiertoe twee gevallen gesignaleerd in Vlaams-Brabant van mensen die bij manier van spreken, op een verkeerde manier een vaccin zouden gekregen hebben. En die twee gevallen die gesignaleerd zijn geweest, zijn alle twee geseponeerd. Dus zonder gevolg. Donc, c'est encourageant de voir que cette séquence de vaccination, même si elle n'est pas parfaite, même si de temps en temps il y a des questions de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore reçu de convocation alors que leurs voisins plus jeunes l'ont déjà reçu. Bon, tout ça n'est pas parfait, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Il y a une vitesse de croisière maintenant qui est atteinte au niveau de la province et les résultats sont encourageants. Vous le voyez d'ailleurs dans les statistiques de contamination. Un aspect très important, c'est l'aspect de tracking and tracing. Donc, c'est tout ce qui est suivi des contacts. Alors, les sources principales pour l'instant de contamination sont les écoles, mais ça, on le sait, et aussi les sociétés. Donc, c'est important parce que pour les écoles, il y a des procédures, le contact, le suivi est assuré, tout ça, ça tourne bien. Par contre, pour les sociétés, on nous a signalé qu'il y avait de temps en temps je dirais des erreurs ou des omissions. Et là, il faut être très prudent. Donc, si vous avez connaissance d'une situation qui n'a pas été correctement gérée ou qui pourrait être gérée autrement, il faut le signaler. Il ne s'agit pas des dénonciations, mais il faut simplement qu'on parvienne à limiter la contamination le plus possible. Et pour ce faire, eh bien, il faut garder cette situation sous contrôle. We hebben nog altijd de opdracht als burgemeester. Niet iedereen, niet alle burgemeesters doen het, maar wij mogen nog altijd de mensen bellen. Hein? Dus mensen die in quarantaine zitten thuis, oftewel in quarantaine, oftewel in isolatie, worden gebeld door de burgemeesters om dus indien nodig hulp te krijgen vanwege de gemeente.
Dus hulp, dat kan zijn bijvoorbeeld boodschappen of apothekers of andere zaken die ze eventueel nodig hebben. En die ze dus de mensen niet moeilijk kunnen doen terwijl dat ze dus gewoon in quarantaine zitten. En zeker als ze dus in isolatie zitten, want dan mogen ze in principe hun woning helemaal niet verlaten. Dus we doen dat niet om de mensen te controleren, we doen dat om de mensen te helpen om de quarantainemaatregelen te respecteren. Waarom is die handhaving van de quarantaine, die tracking en die tracing zo belangrijk? Ten eerste om de pandemie natuurlijk onder controle te krijgen, om een soort positief sneeuwbaleffect te krijgen. Dus om, hoe minder besmettingen, hoe gemakkelijker dat het is om de mensen eigenlijk te contacteren voor eventuele verdere, om verdere besmettingen te vermijden. En natuurlijk, hoe minder besmettingen nadien, hoe minder dat, hoe gemakkelijker nog dat de tracking verloopt. En dit is natuurlijk een positieve evolutie, een positief sneeuwbaleffect. Dus het is wel de bedoeling. Donc la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il y a quand même l'émergence, même si elle est extrêmement faible pour l'instant, je n'ai pas connaissance de cas à Krenem, mais il y en a dans la zone du Brabant flamand, il y a quand même l'émergence du variant indien qui est évidemment très, très contagieux et pour lequel il faut prendre vraiment des mesures de tracking très, très strictes pour être sûr qu'on garde cette contamination ou cette souche-là absolument sous contrôle. Donc l'importance du tracking, du suivi de contact et surtout alors de bien respecter les règles de quarantaine si pour une raison ou pour une autre, soit vous devez observer une quarantaine parce que vous avez voyagé ou pour d'autres raisons et certainement évidemment si pour une raison ou pour une autre vous avez été contaminé. À ce moment-là, il faut absolument respecter les règles d'isolation. Merci en tout cas d'avance de bien respecter tout cela. Voilà. Dus dit was wat ik wou zeggen voor de coronasituatie en de evolutie. Een ander onderwerp. Ik ga mijn scherm nu terug normaal zetten. Voilà. We hebben dus gewoon deze week een heel interessante presentatie gehad over het project, het plaatsen van zonnepanelen op bepaalde daken van de gemeente, van het gemeentegebouw in Kranen. Dus momenteel gaat het over het gemeentehuis, het gaat over de sporthal en het depot. Dus alle gegevens en de projecten kunnen heel gemakkelijk geraadpleegd worden op de website van de gemeente. En het is de bedoeling dat mensen die daar interesse voor hebben, in die projecten kunnen investeren. Donc, ce sont des projets de participation citoyenne, comme vous le savez. Donc, il y a deux sociétés, Ecoport et Druifkracht, pour lesquelles vous pouvez participer. Vous trouverez les détails sur le site de la commune. C'est des projets qui sont sympas. Vous n'allez pas devenir millionnaire, mais il y a quand même un rendement qui est prévu, qui peut aller jusqu'à 6%, donc entre 0 et 6%, ce qui est quand même assez sympa. Évidemment, il n'y a pas de garantie, soyons très prudents. Mais c'est plutôt, je pense, le signal que l'on donne. On évolue alors vers une autre forme de gestion de l'électricité, de production d'électricité, et tout ça évidemment va dans le bon sens et contribue certainement alors aux objectifs de réduction de la consommation, de la production de CO2 de la commune. Donc c'est quelque chose que nous recommandons certainement, et vous trouverez alors les détails sur le site de la commune. Une intéressante onderwerp. Ik ga even. Ja. De openbare werken in de gemeente. Dus twee specifieke zaken. Een belangrijk project. Dus
ik denk dat heel wat mensen weten dat er gewoon toch een probleem is aan het kruispunt van de Molenstraat en de steenweg op de Zaventem. Dus er is daar een groot gat en dat gat wordt natuurlijk steeds een beetje groter. Maar het goede nieuws is dat wij dus binnenkort verwachten dat de herstellingswerken gaan beginnen. Dus in principe is het voorzien voor dus het begin van de maand juni. Dus die problemen daar aan het kruispunt Molenstraat, Zaventemse Zeeweg, zullen dan hopelijk opgelost worden. Natuurlijk niet op een paar dagen, maar toch hopelijk voor de zomer. Donc la réparation de ce grand trou qui est au carrefour entre la rue du Moulin et la chaussée de Zaventem est prévue donc pour le courant du mois de juin. Donc merci de votre patience et surtout merci de votre prudence si vous êtes dans le coin. C'est bien signalé, mais il faut quand même continuer à faire attention. Un autre chantier pour lequel, là il s'agit d'un chantier privé, mais nous vous demandons de faire extrêmement attention, c'est le chantier qui se trouve au tout début de l'avenue des Engrais, en face du Leicester Base, en face de la pharmacie, dans le tournant donc, vers le 40, ou quand vous venez de le 40 vers la maison communale. Donc il y a là un chantier pour lequel une grue a été placée cette semaine. Alors, elle va très probablement nécessiter la pose de feu et d'une circulation alternée. Pour l'instant, ce n'est pas encore en place. Donc, nous vous demandons d'être extrêmement prudent dans cette courbe et en tout cas d'éviter absolument pour les piétons de circuler le long des barrières qui ont été mises. C'est potentiellement très dangereux puisque une voiture qui prend ce tournant ne vous voit pas et donc à ce moment-là c'est très dangereux. Donc nous avons placé des pancartes pour demander aux gens de ne pas passer à cet endroit-là, mais donc s'il vous plaît soyez extrêmement prudents, aussi bien comme automobiliste que comme usager faible si vous êtes dans ce coin. Dus hartelijk dank om heel voorzichtig te zijn daar in de bocht aan het begin van de Zangreelaan, dus aan de rechterkant als men dus gewoon naar E40 rijdt, is er daar een werf en het is momenteel toch gevaarlijk in die zin dat de alternerende verkeerslichten nog niet geïnstalleerd zijn. Dus het is in principe voorzien voor in de loop van de volgende dagen. Maar in tussentijd moet men dus gewoon heel voorzichtig zijn en absoluut vermijden voor de voetgangers om langs de hekken te lopen. Dus het is potentieel gevaarlijk. Dus hartelijk dank bijvoorbeeld om heel voorzichtig te zijn. Voilà, ça c'est pour les travaux dans la commune et il va y avoir aussi toute une série d'activités dans la commune, des activités qui vont être organisées dans le courant des prochaines semaines et là aussi on va vous demander de faire attention, donc un évidemment pour le Covid puisqu'il va y avoir toutes sortes d'assouplissements, il va y avoir toutes sortes de retrouvailles possibles et aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur d'ailleurs. Et là, on vous demande évidemment d'être extrêmement prudent et de respecter toutes les règles possibles pour le Covid. Ce n'est pas parce que les choses sont permises que c'est nécessairement une bonne idée. Donc, on ne veut pas faire les rabat-joie, mais gardez quand même à l'esprit que cette pandémie n'est pas complètement terminée et qu'il faut continuer à être prudent. Donc ça, c'est l'aspect Covid. Après, il y a aussi l'aspect sécurité tout court. Donc, il va y avoir dans le courant des prochaines semaines, entre autres, par exemple, différentes activités, comme par exemple un garage sale qui est prévu ce dimanche, donc ce dimanche 23, et puis aussi une séance de nettoyage de la commune, très importante aussi, puisque plus les gens vont aller à l'extérieur, plus il y aura des activités à l'extérieur, et bien plus on aura évidemment envie d'avoir un environnement le plus propre possible. Et donc,
Merci d'avance à tous ceux qui contribueront à ces activités. Et donc, aussi bien pour le Garage Sales prévu ce dimanche que pour le clean-up de la semaine prochaine, soyez s'il vous plaît extrêmement prudents. Si vous vous déplacez par exemple avec des jeunes enfants, attention à ne pas, ne pas les laisser courir partout et qu'ils ne prennent pas de risques au niveau de la circulation. Donc, c'est en quelques mots ce que je souhaitais vous dire. Je vois qu'il y a deux, trois, quand même quelques questions. Je vais les prendre, si vous permettez. Alors, voilà. Oui, merci. Alors, il y a des commentaires, donc les commentaires, mais merci à ceux qui les ont faits. Et mais surtout, merci de votre fidélité. Alors, quand même, une question. Il y a des panneaux déjà au hall des sports, c'est vrai, des panneaux solaires. Mais la question est de savoir dans quelle mesure on peut en mettre alors plutôt au niveau du toit. Mais pour ça, merci Olivier d'avoir posé cette question. Pour ça, il faut évidemment vérifier la stabilité de ce toit. Donc, il y a quand même encore un tout petit point d'interrogation de ce côté-là. On verra comment et dans quelle mesure on peut ça peut se faire. Si on peut le faire, évidemment, on le fera. Et l'idée, évidemment, c'est certainement de ne pas mettre la stabilité du toit en danger, puisque vous voyez que pour que ces panneaux aient du sens, il faut qu'ils puissent évidemment rester sur les toits au moins une quinzaine d'années. Donc évidemment, il ne faut pas que ça endommage les toits, parce que sinon la rentabilité du projet n'est pas garantie. Donc ça, c'est un aspect très important. Merci d'avoir posé cette question. Ce sera suivi dans le courant des prochaines semaines, mais cette confirmation doit encore être faite. Alors, réparation, merci Olivier, réparation ou nouvel aménagement pour la Molenstraat Zavestem Sestevig. Bon, ce sera probablement un petit peu les deux, en général, puisque, comme vous le savez, la Molenstraat, il y a aussi des projets de ce côté-là. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais évidemment, ce sera prévu alors dans le plan pluriannuel. Je ne peux pas en dire trop pour l'instant, il faut que ça passe d'abord au collège, mais j'espère quand même pouvoir donner quelques détails dans le courant des prochaines semaines. Voilà, alors après, c'est des commentaires plutôt sympathiques, donc merci beaucoup. Et pour les groupes, pour le Cleanup Day, c'est comme pour les rassemblements, évidemment, à l'extérieur. Je pense que des groupes de 4 personnes ne devraient pas poser de problème. Mais ce qui est le plus important, c'est évidemment de bien garder quand même de garder le masque, de garder les distances de sécurité, garder aussi évidemment tous les gestes barrières. C'est sûr que il faut continuer quand même à utiliser son gel hydroalcoolique. On est à l'extérieur, donc au niveau des contaminations, le risque est moindre, mais il n'est pas nul. Donc il faut continuer à faire attention de ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous souhaitions vous dire aujourd'hui. Alors, je vais juste regarder, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions à ce stade. Et donc, il me reste à vous remercier de votre attention, de votre fidélité surtout. Vous souhaitez donc un excellent week-end, toujours dans la plus grande prudence au niveau du Covid, mais pas seulement. Et en attendant, alors, le plaisir de vous voir la semaine prochaine, en principe le vendredi à 18h, sauf s'il y a des annonces au niveau fédéral, et à ce moment-là, c'est le samedi qui suit à 18h. Dus hartelijk dank vanavond. Hartelijk dank allemaal om vanavond aanwezig te zijn. Dus graag tot volgende week, dus vrijdag 18 uur, tenzij dat er belangrijk nieuws
aangekondigd wordt door de federale overheid. En dan is het voor de zaterdag, dus zaterdag om 18 uur. Hartelijk dank allemaal. Dus fijn weekend. Blijf alstublieft voorzichtig. En tot heel binnenkort. Dank u wel. Dag.